Amoureux de sensations fortes et fou amoureux de la Côte d'Ivoire, plus d'une quinzaine de pratiquants des sports automobiles se sont donné rendez-vous pour parcourir la Côte d'Ivoire du sud au nord et du nord à l'ouest dans un raid découverte version 2021. Qu'est-ce qu'un raid ? Farid Assaf va nous expliquer ce concept après l'expérience qu'il vient de vivre avec les membres de l'ASSV CI. Un raid, pour résumer de façon simple et rapide, c'est comme une randonnée, mais à la différence de le faire à pied, on le fait en SSV. Tracés mythiques aux franchissements et difficultés variées qui vous feront découvrir des lieux magiques et insoupçonnés, des points de vue à couper le souffle et bien d'autres choses. Ils ont partagé le plaisir entre pilotage, paysage, authenticité et convivialité. L'aspect touristique et découverte est important, mais il y a aussi un côté physique et une limite que l'on doit respecter si on veut que ce raid touristique reste agréable et accessible à la majorité de personnes. On est parti d'Abidjan pour aller vers Yamoussoukro. On est passé par Agboville, Bobino, Dimbokro pour enfin arriver à la fin de la première étape à Yamoussoukro. En plus de la balade SSV touristique, des pistes que l'on connaît dans le monde de la compétition, où de façon presque inconsciente, certaines notes revenaient et la conduite devenait un peu plus sportive. Donc c'était assez rigolo cette première étape. Oui, pour Yamoussoukro, on prend la route pour Mans. On passe au-dessus de Boifflé, Zouenoula, Vavoie, pour finalement arriver à Mans. Pour ma part, je suis arrivé le dernier. On a eu un petit souci mécanique. Pas énorme souci, mais qui forcément ralentit la moyenne de déplacement. Et quand on prévoit de rentrer à 17h, 18h et qu'on a une panne, il faut une ou deux heures de réparation, ça nous fait arriver à 20h, 21h. Toute cette dimension humaine prend son sens lorsqu'on se retrouve coincé à un endroit et qu'on essaye de réunir les bonnes idées, les moyens, toutes les ressources nécessaires pour toujours avancer. Le raid, c'est partir ensemble et c'est aussi arriver ensemble après avoir souffert ensemble.